c'est le monsieur qui n'aime rien, poil de chien. Cette histoire a commencé probablement le jour où le Front National a gagné la mairie du 13-14, puisqu'il est évident qu'on a affaire, en l'occurrence, à une politique municipale de secteur identifiée, identifiable, qui ne correspond en rien avec tout ce qui avait été vécu par l'espace culturel de Busserine depuis 30 ans. Ça s'est accéléré il y a un an, au moment où, en raison de travaux prévus par la mairie centrale, qui ne posaient pas de problème particulier, le maire de secteur a donné ordre et mission à l'ensemble de l'équipe de l'ECB de venir s'installer en mairie de secteur et de quitter ce lieu. Jusqu'ici, tout pourrait aller bien, sauf que il avait l'information, et tout le monde avait l'information, que les travaux n'allaient pas avoir lieu à ce moment-là. Et on a compris à ce moment-là qu'il y avait l'instrumentalisation, une opportunité, une fenêtre pour mettre en péril ce lieu, et donc une volonté politique de l'atteindre. C'est le moment où est né le collectif Nos quartiers ont besoin de l'espace culturel Busserine. Et la mobilisation a été immédiatement là, avec par exemple plus d'une centaine de personnes qui ont, par leur présence, empêché les déménageurs de venir récupérer le matériel qui se situait à l'intérieur de l'espace culturel Busserine il y a un an. Également à l'actif du collectif, une réunion publique avec la presse qui avait rassemblé beaucoup de personnes, des mobilisations donc d'habitants, une pétition en ligne qui a rassemblé plus de 3000 signatures, des mobilisations dans les écoles par exemple, avec des votes de motion dans les conseils d'école. Cette mobilisation, disons-le, a permis pour l'instant de sauver l'espace culturel Busserine. Sans cela, on peut penser qu'aujourd'hui il n'y aurait déjà plus d'espace culturel Busserine. Et cette mobilisation a obligé M. Rabier à revenir sur ses intentions, à les redéfinir, et les salariés ont pu rejoindre, même s'ils n'ont toujours pas d'ordre de mission nouveau, l'espace culturel Busserine, et la programmation scolaire a pu redémarrer à partir du printemps de l'année dernière. Ça nous avait déjà fait perdre pas mal de temps, j'y reviendrai. Il faut savoir, j'en discutais avec Patrick Loire tout à l'heure, que depuis des années, il y a à peu près 12 représentations tout public par an à l'espace culturel Busserine. En 2016, il y en aura eu une seule. Ce monsieur, il n'aimait rien. Il n'aimait pas les chats, il n'aimait pas les chiens, il n'aimait pas les vaches, les blanches et puis les noires, il n'aimait pas les nuages, il n'aimait pas les étoiles qui jouent à saute-mouton avec la lune. Il n'aimait vraiment rien. Et si on devait faire l'addition de tout ce qu'il n'aimait pas, on aurait pu faire 10 fois, 20 fois, 1000 fois le tour du stade Vélodrome. Deuxième problématique, les ateliers de pratique artistique à l'espace culturel Busserine ont été stoppés, arrêtés, hein, formellement, c'est-à-dire que, y compris ce qui concerne les grands adolescents ou les jeunes adultes, il n'y a plus d'espace pour eux aujourd'hui à l'espace culturel. Il y a une nouvelle inquiétude qui se fait jour, c'est que les travaux dont on avait parlé il y a un an sont effectivement à l'ordre du jour en 2017. L'équipe a fait une proposition de programmation hors les murs pendant cette période des travaux. Elle n'a à ce jour reçu aucune réponse. Par ailleurs, des pressions s'exercent sur les salariés. Suite à la bataille de l'année dernière, Patrick Loire, qui est ici, a eu une retenue sur salaire de 15 jours, qui est une sanction qui n'a toujours pas été levée. Et des pressions s'exercent quotidiennement, on y reviendra peut-être dans le débat, sur les salariés de la part de la mairie de secteur. Alors, selon moi, déjà, je pense que Ravier, c'est encore plus profond. Je pense qu'il veut accentuer des inégalités culturelles pour accentuer des inégalités sociales qui sont, je pense, et je pense que vous serez d'accord avec moi, sont suffisamment marquées dans nos quartiers. La paupérisation est déjà bien marquée. Il ne nous en faut pas davantage. L'espace culturel Busserine, on en a besoin. On le sauvera coûte que coûte. On a essayé, non pas d'amener une bonne parole de l'extérieur dans les quartiers, mais on a essayé de faire en sorte qu'une parole émerge artistiquement des quartiers et qu'elle prenne toute sa dimension à la fois citoyenne et artistique. Et c'est une des raisons qui a fait que ce lieu a pris la dimension qu'il a prise. Par contre, ce qu'il aimait, c'était tellement petit qu'on aurait pu écrire ça sur un ongle. On aurait pu écrire ça sur une aile de mouche. Mais ce qu'il aimait, il y pensait le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Vous savez ce que c'était? Eh bien, c'était la bouillabaisse. La bouillabaisse avec des croutons frottés à l'ail et une belle rouille. Eh bien, ce monsieur qui n'aimait rien, sauf la bouillabaisse, un jour, il a eu la chance extraordinaire de sauver le diable. Nous sommes en train de subir une amputation
Moi, j'emploie le mot amputation parce que ça implique les jeunes, ça implique les adultes, ça implique les enfants, ça implique tout le monde. Tout le monde. Les jeunes qui on nous traite des fois de racailles parce que les jeunes, ils sont dans les réseaux et tout. Mais ils ne sont pas tous, c'est 2% de la population. Les autres, ils ont envie de s'en sortir. Ils font des choses, ils font du rap, ils composent, ils font de la musique, ils font de la danse, c'est ça. Oh. On est en train de leur amputer ça. Il y a des notaires, il y a des avocats. Voilà, je veux dire, on est pareil que les autres et on veut pareil. On est en train de nous amputer d'un droit. Les idées que véhicule l'ECB, ce sont des idées toutes simples. C'est le bien vivre ensemble, c'est la possibilité de respecter la parole de l'autre. Ce sont des idées de tolérance. Ce sont ces idées-là que tout au long des 13 années où j'étais à l'espace culturel Bucerine, l'ECB présentait. Ce ne sont pas des idées sur lesquelles on ne peut pas être d'accord. Ce sont des idées que nous ne pouvons que tous partager. Donc la volonté du maire des 13-14 est dans un premier temps de casser l'équipement et la dynamique qu'elle a derrière elle depuis 30 ans maintenant. Donc elle a une mémoire, c'est moins compliqué. Ce qu'il vise, c'est l'accessibilité à la culture des habitants du quartier. Donc tous les prétextes sont bons pour mettre à mal la structure dans son fonctionnement au quotidien, hein, on va dire. Seb a parlé du harcèlement sur le personnel. Entre autres, mais il y a aussi derrière un discours politique, public. Il a, comme vous le savez, une réponse sur les questions de contenu, qui est extrêmement dangereuse sur le plan des principes. La réponse qu'il donne, c'est la formule qu'il a très souvent en disant « c'est celui qui paye l'orchestre qui décide la musique ». Alors deux choses à ce propos, celui qui paye l'orchestre n'est pas radié. Celui qui paye l'orchestre n'est pas radié, en principe, c'est le conseil d'arrondissement qui utilisent l'argent des habitants. Et donc, ça demandait au moins un débat. Nous lui avons proposé plusieurs fois d'avoir un débat public sur l'orientation qu'il donne, puisque lui, il dit qu'il faut que ce soit pour les enfants, il ne faut pas que ce soit ci, mais c'est lui qui décide, il n'y a aucun débat. Il nous a refusé systématiquement un quelconque débat à la mairie de secteur, même si la conclusion, on la connaît, ils sont la majorité. Donc ce n'est pas une question de savoir qui va l'emporter, bien sûr qu'il l'emportera, mais qu'il soit obligé de dire pourquoi. Comment ? Qui s'explique ? C'est la démocratie, c'est un minimum. Et puis dernière chose, le principe même de l'image qu'il donne est une position dictatoriale concernant la culture. Imaginez un gouvernement qui dirait la chose de la même manière, en disant « puisque c'est moi qui paye au point de vue du budget, donc je décide de toute la culture dans le pays sans aucune intermédiaire, sans diversité, je ne parle pas de la diversité des populations, sans diversité culturelle, sans choix ». Des instances qui peuvent décider, c'est une position dictatoriale, c'est comme ça qu'il conçoit le point de vue général sur la question de la culture. Et là, pour l'instant, on l'a mis systématiquement devant ses responsabilités, il est gêné, on peut le savoir parce qu'on le voit au conseil d'arrondissement, chaque fois que la question du Bucerine est posée, il est gêné, pas par nous, il s'en fout, mais par la mobilisation de la population. Il sait qu'il y a une mobilisation qui est derrière, c'est important de la maintenir. Mais le pas de plus, c'est de dire à Jean-Claude Gaudin de prendre ses responsabilités, ça a été dit par plusieurs personnes, je ne vais pas y revenir, de prendre ses responsabilités. Bien sûr, le mieux serait que la gestion de l'établissement revienne en régie municipale, mais qu'il s'exprime sur cette question. Il a son mot à dire en tant que maire de Marseille. Est-ce qu'il trouve que ses principes sont corrects ou pas? Donc il s'engage de ce point de vue-là. Et il y a Jean-Claude Gaudin et il y a les élus de nos arrondissements. Il ne faut pas les oublier non plus, les élus de la majorité Jean-Claude Gaudin, de nos arrondissements. Je veux dire ni en positif ni en négatif ce qu'ils peuvent dire. Je pense qu'il ne faut pas partir d'un point de vue pessimiste sur ça. Il faut les voir, il faut en discuter avec eux. Ils ont une responsabilité à prendre là-dessus. Je voudrais que tu fasses disparaître tout ce qui vient d'ailleurs. Tout ce qui est étranger à Marseille et au quartier nord en particulier. Tout ce qui est étranger et qui n'est pas d'ici. Tu es sûr? Archi sûr, dit le méchant homme. Comme tu voudras, allons-y. Par Belzébuth. Par Belzébuth. Par Astaroth. Par Satan. Par Satan. Et par Lucifer, c'est-à-dire moi-même. Et par Lucifer, c'est-à-dire moi-même. Je fais disparaître tout ce qui vient d'ailleurs. Je fais disparaître tout ce qui vient d'ailleurs. Oh là 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 là, mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu as fait? Ah là là, ma bouillabaisse! Ah, oh, tout à l'heure, elle était jeune, comme de l'or pur.
Oh, maintenant, on dirait de l'eau avec des poissons bouillis. Ah ben, j'ai fait ce que tu m'as dit, lui dit le diable. J'ai enlevé le safran. C'est le safran qui lui donnait cette belle couleur jaune comme de l'or pur. Le safran n'est pas d'ici. Le safran vient du Népal, dans le pays où il y a le plus haute montagne du monde. Ah, ah. Mais tu m'as enlevé le céleri, les oignons, l'ail et le poivre. Tu m'as enlevé le poivre. Ah ben, j'ai fait ce que tu m'as dit, lui dit le diable. Le poivre n'est pas d'ici. Le poivre vient du sud-est de l'Inde. Les oignons, ce sont les Sumériens qui l'ont amené de Mésopotamie. L'ail vient du nord du continent asiatique. Ça a été certainement dit, mais juste, je voudrais qu'on se rappelle qu'on est dans le 13e arrondissement, le 14e arrondissement. Donc ce sont les deux arrondissements les plus peuplés de Marseille. Vous avez déjà fait reculer le maire de secteur grâce à votre mobilisation formidable avec vos milliers de signatures. Donc ça, c'était un premier point, c'est une première marche gagnée. Pour gagner la deuxième, moi je pense qu'aujourd'hui, stratégiquement, si je puis me permettre, c'est de mettre la pression aujourd'hui sur le maire de Marseille, sur son adjointe à la culture, en disant vous ne pouvez pas sacrifier un équipement avec le rayonnement qui a été mis en place depuis des années, des décennies. Alors je dis des décennies parce qu'il y a aussi modestement assis dans une chaise l'ancien maire de secteur aussi, M. Pierre Assouin, qui a aussi œuvré pour le développement de cet espace culturel Busserine. Donc depuis une trentaine d'années, cet espace a rayonné dans nos quartiers et au-delà, et on ne peut pas le faire mourir à petit feu comme le fait le maire de secteur. Donc moi ce que je proposerais, c'est qu'aujourd'hui, on mette un cran de pression Ravier, mais qu'on n'oublie pas le maire de Marseille qui lui n'a pas le droit de se laver les mains et de se dire bon ben c'est l'affaire de Ravier, c'est pas mon affaire, c'est le maire de Marseille qui nous explique que Marseille est une et indivisible à tous les conseils municipaux, qu'il le prouve. Voilà. Alors notre démarche à nous municipale était d'interpeller la mairie centrale puisque l'équipement est municipal. Donc la balle, on va dire, est un peu dans les mains de l'équipe à Jean-Claude Godin. Je pense effectivement que Godin, il faut qu'il se manifeste. Je ne comprends pas son retranchement. Je ne comprends pas non plus que les journalistes n'aillent pas le chercher davantage. C'est à vous, journalistes, d'aller le réveiller. Il nous faut une position, forcément. Donc à vous de faire votre travail, d'aller le chercher. Et qu'à ce jour, la direction de la culture de la ville de Marseille nous a répondu. Il ne nous a pas répondu. Et la seule petite fenêtre à laquelle il semblerait indiquer que finalement la fermeture de l'ECB ne serait pas si grave, puisqu'il y a une scène nationale à proximité. Et enfin, je voudrais dire que l'espace culturel Busserine n'est pas simplement un espace qui est sur la Busserine, mais qu'il était ouvert encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout le secteur. Nous enlever les spectacles tout public à l'ECB, c'est nous enlever le droit à la culture dans nos quartiers. Et c'est déjà pas facile dans les quartiers populaires. Alors si en plus on devait leur enlever ça et leur demander d'aller ne serait-ce qu'au théâtre du Merlan ou au centre-ville voir une pièce de théâtre, les tarifs ne sont pas les mêmes. Les compagnies ne sont pas les mêmes, les spectacles ne sont pas les mêmes. On devrait nous laisser le droit à la culture dans nos quartiers. On respire plus. On respire la poussière chez nous. Moi, je sais quand je balaye à la maison, une paire de... Je vous jure, la poussière, c'est incroyable. Je pense que ceux qui veulent le 14e, le maire du 14e, il veut nous couper les ailes. Nous, on veut voler. Je veux que l'espace culturel reste pour nos enfants. Parce qu'ils apprennent plein de choses. Moi, je sais que ma petite fille de 3 ans, elle a été avec la maternelle, avec sa maîtresse Gaëlle. Elle est revenue émerveillée. Et j'espère qu'on va le sauver, notre centre culturel. Pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Tout à coup, la cuillère en or qu'il tenait à la main tomba sur la table. Sa main et son bras disparurent. Ah, ma main, mon bras! Ah, ta main, ton bras, lui dit le diable. C'est ton arrière-arrière-grand-père celte qui vivait en Méditerranée. Oh, mes jambes! Ces deux jambes disparurent. Ah, tes jambes, c'est un papé grec de fossé et une mamie romaine. Oh, mes oreilles! Les oreilles aussi disparurent. Tes oreilles sont des ancêtres visigoths et ostrogoths. Mes épaules! Ah, tes épaules sont des ancêtres arabes. Et au fur et à mesure, les parties de son corps disparaissaient les unes après les autres. Les parties de son corps, de ses ancêtres angevins, lombards, minutiens, arméniens, algériens, africains, marocains, comoriens, et tous les gens qui se sont rencontrés à Marseille pendant des centaines et centaines d'années. Lorsque toutes ces parties eurent disparu, il ne resta plus que la bouche. Oh, secours! Il ne reste plus qu'une bouche! Sortez-moi de là! Parce que c'est
c'était un lieu qui a été pris vraiment par les habitants, qui a été fabriqué par les habitants. Ça a été une lutte, hein, vraiment au pied à pied, pour qu'on obtienne ce lieu. Donc moi je propose qu'on résiste au pied à pied et que ce lieu revienne aux habitants, à la fois en tant que spectateur, mais j'y reviens parce que pour moi c'est très important, soit on fabrique une culture de classe, de l'élite pour l'élite, soit on fabrique une culture ouverte et partagée par tous, et moi c'est mon combat. Moi, par contre, je voudrais qu'on fasse attention parce que les décideurs, les élus, ont très souvent une facilité pour nous faire mettre les uns contre les autres. Donc, c'est pas parce qu'il y a le théâtre du Merlan, j'espère qu'ils sont là d'ailleurs, ce soir, maintenant, voilà, qu'on ne nous oppose pas le théâtre du Merlan contre. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Ensuite, c'est vrai que je crois qu'il faut continuer quand même à demander à Gaudin la possibilité que la mairie centrale récupère cet équipement, mais j'irai au-delà et d'autres équipements, parce qu'on est, nous, confrontés aussi au centre d'animation géré par la mairie de secteur et avec lequel nous sommes sans arrêt en discussion conflictuelle, hein, parce qu'on veut nous faire signer des conventions quand on veut occuper ces lieux, avec des préambules sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est chaque fois un rapport de force. Et chaque fois, c'est malheureusement un rapport de force individuel que chacun conduit. Et ça, c'est aussi peut-être à travers ce mouvement pour l'espace culturel Bussoline, on pourrait aussi développer une stratégie à ce niveau-là. Mais quand vous dites qu'il faut aller chercher Gaudin, moi j'en ai un autre aussi, parce que l'avenir qu'on nous prépare, c'est Gaudin, c'est Estrosi aussi. Et les deux vont de plus en plus de pair. Et c'est pas un hasard que ce soit sur ce type de quartier où habitent, bien sûr, les plus pauvres, mais aussi toutes les personnes qui sont venues il y a quelques années, parce qu'on est venu les chercher pour les faire travailler, hein, après les colonies. Donc je pense qu'il n'y a bien sûr aucun hasard qu'on veuille détruire cet équipement, sachant que, oui, on respire la poussière ici, hein, forcément, ouais. Puisqu'il y a tout, la réhabilitation, la L2, j'en passe, c'est des meilleurs, les nanoparticules, hein, voilà. Donc il n'y a vraiment aucun hasard, et je pense que, bien évidemment, qu'il faut renvoyer à Jean-Claude Gaudin et à son équipe la question de la... alors bon, on revient sur la décentralisation, hein, mais qu'il récupère en régie, comme le disait ma collègue, les équipements, mais aussi les gymnases des écoles, parce que du coup on peut ne pas les utiliser parce qu'ils sont gérés par cette équipe, par la mairie de secteur et par le Front National. Voilà, donc bien évidemment que nous on est d'accord pour continuer, on pense qu'il faut faire ce type de manifestation, peut-être aussi les délocaliser sur la rue, mais en tout cas faire de ce combat là quelque chose d'emblématique, parce que bien évidemment que au regard des difficultés que vivent les habitants, la culture, c'est pas la première chose qui va leur venir à l'esprit, mais il n'empêche que ça demeure quelque chose auquel il faut, c'est ce que vous dites, hein, auquel il faut, faut tenir et se battre pour. Je crois qu'il faut résister, mais pas uniquement sur des courriers ou même des manifestations. Alors je ne sais pas au niveau des forces possibles, mais est-ce qu'on ne peut pas envisager une occupation des lieux à tour de rôle? Il y a quand même pas mal d'associations, des établissements scolaires aussi qui peuvent participer puisqu'ils sont impliqués dans la démarche, et essayer de voir comment on peut organiser ça afin de redire très fortement que cet équipement il appartient à tout le monde et qu'on veut participer à son devenir. Nous avons des spectacles, on peut faire une programmation à l'espace culturel du Bussoline, même si c'est fermé. On va imposer ça. S'il y a d'autres artistes qui sont d'accord aussi, de façon à ce que cette année ne soit pas une année morte, mais une année qui soit marquée avec des initiatives ou une occupation du terrain, pour pas qu'il y ait du vide, de façon à ce qu'on n'oublie pas que nous sommes là et que nous voulons que cet espace existe. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut peut-être mobiliser les gens et puis continuer une programmation d'office, et que
Moi, en tout cas, en tant que musicienne et avec les groupes qu'on a brassés de jeunes, même si on a fait un petit break cette année, on serait prêt à revenir gratuitement dans la rue, sous la pluie, pour proposer quelque chose d'artistique. Par Belzébuth. Par Astaroth. Par Satan. Par Satan. Et par Lucifer, c'est-à-dire moi-même. Je remets tout comme avant. On a entendu un grand floc, un nuage de soufre s'élevant dans le ciel. Oh, notre homme retrouva toutes les parties de son corps. On raconte que depuis ce jour, cet homme qui n'aimait rien, sauf la bouillabaisse, a commencé à aimer les chats, les chiens, les vaches, les blanches et puis les noires, les nuages, les étoiles qui jouent à saute-mouton avec la lune, et les hommes, les femmes, les enfants, l'espace culturel de Serine, l'agora. Parce que quand il passait devant l'agora et qu'on il voyait les manifestations qui étaient là, les gens avec le sourire, ils lui chantaient cette chanson. C'est le monsieur qui aime tout, poil au cou. Qui est gentil comme un minou, poil au genou. Et qui adore les enfants, poil aux dents. Et crie. Et crie. Et craque. Et craque. Et mon histoire retourne dans son sac. Oh.